bien bonjour à tous. Salut, 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 Chopper. J'espère que vous avez bien écouté. Moi, ça me dit nickel. Quelle étude aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le voyez une fois de plus, pour tester un tout nouveau jeu mobile avec le plus grand des losers au monde que j'ai nommé Omer. Enfin, non, c'est le jeu qui s'appelle comme ça parce que j'adore Homer Simpson. J'adore les Simpsons d'ailleurs en général. Mais là, aujourd'hui, on est là parce que tu vois, j'ai. Oui, alors. Oui, Marge. Oui, bah écoutez, actuellement, Homer est attaché dans un espèce. C'est... Oui, un donjon, j'allais le dire. Oui, un donjon, effectivement. Ah, c'est pas votre première fois, c'est ça. Et du coup, donc, effectivement, les gens, on va devoir essayer de libérer. On va être l'ange gardien, tu sais, de Homer Simpson aujourd'hui. Attends, Homer, je vais essayer de te sortir de là, l'ami. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh non, pas encore. Oula, je vous ai fait le grand-père Simpson. Donc, du coup, comment on va le sortir de là? Avec de l'acide? Ou alors des clés. Alors l'acide, logiquement, ça pourrait faire fondre les chaînes. Mais j'ai peur que ça coule sur son bras. Et à mon avis, le petit Homer, il risque d'avoir encore besoin de ses bras tout le long de sa vie. Voilà, donc du coup, on va prendre les clés. Allez, vas-y, Homer. Allez, je te détache. Ces clés. Attends, mais laquelle choisir? Oula! Désolé pour ça, mon mignon. D'accord, donc c'est ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'en fait, faut aller à l'extrême inverse de la facilité, tu vois. Les clés, tu vois, ça paraît trop simple, tu vois, ça paraît trop simple. Du coup, on va prendre... Bah écoutez, l'acide. Ok. Ça va faire fondre tes chaînes, mec. Oh, super! Je suis libre! Ok, alors, c'est bon! La liberté est pour toi, mec! Oh! Excellent, j'ai obtenu de la thune. Très bien, niveau suivant. Oh non! Je vais te punir pour ça. Très bien, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Une chaîne ou un bouquet de fleurs? Ah! Alors, peut-être qu'on peut... Voilà, elle sera peut-être heureuse si on lui offre des fleurs, mais... bon, envers Marge, c'est pas cool, tu vois, donc on va prendre la chaîne! Tiens! Oh, c'est génial, j'adore. Qu'est-ce qu'elle est étrange comme femme. Ok, bon bah très bien, bon bah au moins ça y est. Elle est attachée, yes. Alors niveau suivant, nous avons alors un espèce de passage avec bien entendu des piranhas. Et on a le choix entre des Air Max, enfin des Air Jordan là plutôt là, et une planche. La planche, ça paraît trop simple, tu vois, là il faut... Tu vois, en même temps, si tu dois jouer au maire, tu inverses ton cerveau, hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez de la taille du cerveau de mer. C'est cette photo que tu vois partout. Bah bon, écoute, on va prendre les chaussures. Je sais pas pourquoi, je sens que les Air Jordan. Voilà. Et voilà, ça c'est un dunk. Oh, on arrive dans les geôles. Oh non, des zombies. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Une plante ou des enceintes? Oh, vous pensez que c'est une référence à plante vs zombie? Ah, ça pourrait être stylé, vas-y, on va essayer ça. Normalement, les plantes, c'est une plante normale. Ah non, 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 non. Ah non. Non! Le zombie Homer! Internet! Non! J'ai le seum! Ah là là, j'ai été berné à cause de plantes vs zombies! Bah écoute, on va mettre de la musique! Twitter! Michael Jackson! Eh ouais! Ah ah! Me voilà ici maintenant! Ok, on a le bourreau qui est là. Bien, nous avons un masque. Nous avons une arme. Alors j'imagine que si je mets l'arme, enfin si je prends l'arme, je pourrais me défendre. Mais vu qu'on joue Homer, hein, on joue Homer, regardez sa tête, voilà. T'as vite compris qui on joue là, voilà. On va prendre le masque peut-être qui va nous prendre pour un de ses potes. On va voir ça. Alors, on va mettre ce masque. Oh non, on va lui donner. Oh, il est content. Mais je pense que ce masque-là, te va mieux. Oh yes. Du coup, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les bobines Tesla ou quoi? Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Alors, soit un bâton, soit... Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un télescopique, là. Bah écoute, on va mettre le masque. Ça va bien marcher, le masque. Et je suis super Homer. What? Mais je me souviens pas du tout de ça dans la série. Trop facile. Oh, énorme. Yes, c'est la victoire. Ah, finalement, j'ai enfin trouvé la sortie. Alors, des ressorts ou grimper? Je pense qu'on va prendre des ressorts. Voilà, grimper. Ha, c'est pour les faibles. Je suis un génie. Oh non. Ah, oh, je me suis pété la jambe. On va grimper. Ok, au moins, ça change pas à chaque épreuve, c'est bien. Ouah, mais attends, mais on est arrivé où, là? On est dans la jungle ou quoi? Hey, finalement, t'es fait. Mais voilà, enfin, ici, je vais pouvoir... Oh. Attends, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu une personne rentrer. Ah, je voulais faire une surprise. Je vais rentrer à l'intérieur discrètement. Grimper sur les meubles, ça paraît logique, même si je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée de grimper sur les meubles. Homer, il est vénère. Comment il est vénère? Ou alors, peut-être que... bah ouais, j'ai l'impression qu'on a trouvé un autre copain, là, Marge. Hein. On va grimper. On est Homer Simpson. Sorti du donjon, c'est pas pour rien. Oh non, tu vas pas... Ah. Eh, vous, là, bougez plus. Oh non, mais non. Ah, le changement de comportement. Il pousse un ascenseur émotionnel, il passe de... Oh, une clé. Ah, ah oui, d'accord, on sort plus avec Marge en fait. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce mec là en pizza là, en tenue pizzeria? Ouh, attends. Soit on prend la batte de baseball, soit on prend la cagoule de cambrioleur. Faudrait pas que notre copine nous repère en fait, hein. Donc on va peut-être prendre la cagoule. Comme ça, personne pourra me repérer. Et toi là, bouge pas.
Oh monsieur, je suis juste le livreur de pizza. J'attendais mon paiement. Et voilà, yes, il a eu peur. Eh oui, pas besoin de la violence, la peur. Et surtout... Alors ensuite, eh oh, chérie, viens là. Qu'est-ce que... Attends, mais il y a une autre personne encore en plus. Alors, allumez la lumière ou la lampe torche. Ah. La lumière. L'interrupteur. Enfin, l'interrupteur. Ok, je veux absolument voir qui c'est cette personne. Ah, non, mais c'est juste moi. Oh, yes. Comme quoi, je me doutais que la lampe torche, c'était pas le bon plan. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, il est en train de s'enfuir. Mais où est-ce qu'il pourrait être? Attends, mais il est parti se planquer, mais où est-ce qu'il est? Bah, il est dans la douche. Attends, non, il y a une personne dans le placard. Moi, je dirais la douche. La douche, il est dans la douche. C'est lui. Oh non. Quoi? Mais attends, mais c'était quoi l'ombre? Tu te moques de moi ou quoi? Ça devrait pas être un succès, là, oh. Je suis censé le trouver, moi. Alors, mais où est-ce qu'il est, cet intrus? Ce tableau a l'air suspect. Mais le vase aussi... Alors, attendez. Là, ça paraît trop simple. Mais parfois, c'est simple. Alors, moi, je dirais le vase. Alors... Oh! On va se planquer. Effectivement, c'était personne. Voilà! Alors! Comme ça, tu as quelqu'un d'autre. Mais non! Elle aime quelqu'un d'autre! Oh, non! Bon, bah oui, forcément, c'était logique. C'était là où on voit les gros yeux. Et je vais me cacher derrière. Ah, j'avais pas compris ça! Comme ça, ils ne me verront pas. Alors, comme ça, hein? Ils veulent m'avoir. Mais alors! Tu te moques de moi? Ah! T'as trouvé quelqu'un d'autre à ce que je vois? Ah, je suis déçu de toi, Marge! T'as même changé de couleur de cheveux! Attends, je peux t'expliquer! Je vais donner une leçon à ce gars! Du pognon ou des camps de boxe? On va l'acheter avec de l'argent! Tiens! Ah, merci, mec! Attends, du coup, il va se barrer? C'était ça le bon plan? Yes, c'était ça! Je vais m'occuper de toi maintenant, tu vois! Ah, je te jure! Je ne suis pas rien, je ne suis pas rien! Alors, on lui donne quoi? La main ou un verre d'eau? On va lui donner. Tiens, t'as soif? C'est. Quoi? Oh non, mais. Oh! Ah, bah, je crois que là, elle a un problème de cheveux, là, non? Oh, on lui a balancé un verre d'eau à la face. Il a bien changé, Homer, dis donc! Oh, mais attends, mais Homer, il a carrément une Ferrari! C'est quoi ce délire? C'est une autre dimension des Simpsons, tu vois. J'ai un problème avec ma voiture, c'est pas possible! Oh, oh, j'ai jamais vu quelqu'un. Oh, aussi belle! On lui donnait de l'argent, non? On lui donnait de l'amour! Tiens, madame! Alors, vous êtes malade! Oh! Elle m'a donné un de ses punchs! En fait, elle aimait ma voiture, c'est ça? Ah, et ma voiture est en flamme! Non! Ma Ferrari! Bon, on va lui donner de l'argent, tiens! Pour réparer ma voiture! Merci beaucoup! Attends, qu'elle va me montrer. On va acheter une nouvelle voiture? Quoi, mais mec, elle est juste en panne! Mon mec! Oh non, j'ai oublié de lui acheter un cadeau! Quel est, ben, va prendre le sac à main. Eh, Marge! J'ai pris le sac! Oh, merde! J'espère que ça va te plaire, hein! Oh, c'est tellement gentil! Yes! Ce regard! Bon, très bien! Allez, viens, Marge, on va se balader un petit peu dans la rue. Yeah, ça a bien changé, Springfield. Ils ont des barres rouges, c'est. Oh, un cambrioleur! Tiens-moi ça tout de suite, ou sinon je te frappe! Le poing! Tiens, 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 la baston! Mange ça! Personne touche mon sac à main de Marge! Et j'ai même pas eu peur. Oh, mon héros, Robert! Oh, on se balade au zoo! Excellent! Oh, j'adore ces singes! Ah, il a l'air de se moquer. Eh, mais arrête tout de suite ce singe! Est-ce qu'on lui donne une banane ou on appelle le gorille? On va lui donner une banane! Allez, ça va le calmer! Allez, tiens! Allez! Chut! Allez, tais-toi! En échange, je te donne la banane! Voilà, c'est bon! Allez, elle est pas bonne, c'est ça? Oh non, il l'a acheté à la face! Ouais, tu vas voir, je vais appeler le padre, moi, ton père, tu vois! Le gorille! Eh, on est déjà à niveau 18, hein! Le gorille! Hey, allô, j'ai besoin d'un gorille sur place, s'il vous plaît. Oula! Oula! Oh là là! Et voilà, problème résolu! Bah alors, Marge, qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement faim! Pas de soucis, je vais t'acheter quelque chose! Alors, est-ce qu'elle voudrait un steak? Ah, voilà, peut-être végétarienne, attention, hein. Donc, on va lui prendre un petit dessert. Le petit dessert, la tarte! Regarde, ça a l'air tellement beau! Non! Mais attends! Tu essaies de me dire que je suis grosse? Mais quoi? J'aurais pensé que c'était plus sommaire qu'elle allait le manger, là, tu vois, mais ok. Tiens! Oh, merci, t'es vraiment gentil! Voilà! Oh non, oh merde, mais attends! Il vient de se faire latter, qu'est-ce qui se passe? Pas latter le lait, hein, non. Attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il est tombé d'une falaise ou quoi? Se soigner ou boire de l'eau? Bah, se soigner, enfin, je sais pas, ça paraît logique. Voilà un bordage, bah ouais. Ah, tiens! Non, mais je sais pas, mais à quel moment tu valides. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une plante pierre! Alors attends, soit on lui donne de l'eau, soit on l'enflamme. Alors j'ai peur que l'eau soit pas une bonne idée. On lui fout le feu! Non! C'est du gasoil! Non, je suis en feu! Eh, tiens, t'as mis la flotte?
Hop. Voilà. Elle est quand même plus stylée comme ça, non? Attends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me suit. Alors, soit on le frappe, soit on essaye de l'adopter. Bah écoutez, vous savez quoi? On va essayer de l'adopter. Allez, viens là, mon petit. T'as l'air d'être un bon petit... plutôt un bon petit gars. Yes! Alors, bon, j'espère que je vais trouver la sortie. Mais attends, mais on est arrivé où là? On est sur une autre planète? Alors, soit on utilise, pour éviter cette tentacule, un overboard ou un bouton jaune. Un bouton jaune? Qu'est-ce que... Quoi? Non mais... ça me paraissait complètement perché. Bah ouais, bah c'est ça. Bah allez, allez, viens, Antilla, tu peux passer. Oh là! Attends, ah oui, d'accord, en fait, on est sur un volcan. Très bien. Un volcan en éruption! Ok, ok, allez. Qu'est-ce qu'on fait? Papier ou on rame? Si on rame, ça va foutre le feu. Et si on rend papier, qu'est-ce qui va se passer? Oh! Oh, j'ai géré un ouf! Ça fait une espèce de parachute! Énorme! Yes! Bon, écoutez, on continue notre périple. Non, mais cette aventure, au mire, elle vit tellement des trucs de ouf. Qu'est-ce que c'est? Alors, soit on prend le portail, soit on prend. Espèce de. On va aller dans l'espèce d'égout là, non? Qu'est-ce que. Genre? Entre l'intérieur! C'est sécurisé! Ouais, pourquoi pas? C'est un bunker, c'est ça? Attends, mais est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Un T-Rex! Ok, d'accord. Alors, je vais. Un os. Ça va marcher, ça? Allez, allez, va attraper, mon grand, c'est ça! Yes! Alors, à quel moment le T-Rex il oublie comme ça? C'est bien! T'es un bon chien! C'est vrai que moi aussi, je faisais totalement pareil dans Arc pour les dompter. Oh, le petit ardoton! Une plume, un poisson. Un poisson! Il aime bien les poissons, lui, normalement. Allez, c'est ça, voilà, nickel, voilà, c'est ça. Tu me déposes. Yes! Yes! On s'en est sorti, excellent! Ok, on se balade tranquille une fois de plus dans la jungle. Oh, ce serait bien de pêcher quelques poissons. Ah, d'accord! Mauvaise idée, mais. Le filet ou le harpon? J'imagine qu'avec le harpon, on va. Ah, d'accord. Bon, bah. Peut-être attraper un truc plus grand, non? Ah. Oh, la brochette! Je pense qu'il est grand temps de sortir de l'eau. Bon. Qu'est-ce que. C'est quoi ce truc? C'est un mégalodon? Oh! C'est le monstre du Loch Ness ou quoi? Mais what? On va peut-être prendre une carapace là. C'est mieux! Comme ça, on retourne sur la terre ferme. Yes! Les gens, du coup, s'arrêter là pour la découverte de Save the Loser. Oui, parce que j'imagine qu'au niveau des niveaux, hein, des épreuves, bien sûr, il doit en avoir au moins une bonne centaine. N'hésitez pas, bien sûr, à tester le jeu par vous-même. Je vous rappelle qu'il est dans la description, il est sur mobile et il est totalement gratuit. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. C'est quand même là-dessus, vous allez lâcher un maximum de likes. N'oubliez pas, si comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater au niveau des vidéos sur la chaîne. Je vous remercie grandement, les amis, c'était Jumper et Homer. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao, les amis.